Depuis de nombreuses années maintenant, je parcours le Grand Ouest des États-Unis. Pendant des jours, le long de milliers de kilomètres, j'ai sillonné les États américains. Toujours accompagné de mon appareil photographique, je suis parti à la rencontre des paysages du cinéma américain, dans les traces des grands réalisateurs. John Ford, Terrence Malick, Paul Thomas Anderson, je me suis immergé dans les décors naturels des films. De Thelma et Louise de Ridley Scott à La Route, adapté du roman de Cormac McCarthy, j'ai suivi les traces de Jim Morrison et son American Pastoral. Et croiser le Captain America de Dennis Hopper. À Zabriskie Point, j'ai rencontré le fantôme de Michelangelo Antonioni et suivi la génération déçue de Mark et Daria. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ma dernière prise de vue en argentique sur le sol américain. Mon travail photographique sur les paysages du cinéma se termine ce soir. Ce travail, je l'ai depuis toujours réalisé avec de la pellicule argentique Velvia et un appareil Fuji panoramique 6-17, comme pour me rapprocher du format cinémascope. Ce couple mythique de Fujifilm a toujours répondu à mes attentes. 100% manuel, une optique de chambre, une pellicule contrastée et saturée, peu sensible, exigeant beaucoup de lumière, ou des temps de pose très longs, permettant surtout de réaliser des tirages de grande taille. Je fais mon sac pour la dernière fois avec cet appareil, car ce soir, après ma dernière photographie, je passerai au 100% numérique. Et dépêchons-nous car la lumière est en place et le temps presse. Ce soir, je vous emmène à Glacier Point, dans la Sierra Nevada californienne. Le plus beau point de vue sur la vallée de Yosemite, pour vivre un coucher de soleil magique et faire une dernière photo argentique pour clore mon sujet sur le cinéma américain. Il ne reste plus qu'à laisser voyager son regard dans ces images à la précision étonnante.